Mon nom est Thierry Poisson. Je suis un passionné de cuisine sur le feu depuis une couple d'années. C'est vraiment une passion que Karine puis moi, on a développée là, avec les années. Moi, c'est Karine Martin, aussi passionnée de cuisine sur le feu, d'expérience en nature, de cuisiner à l'extérieur. C'est souvent super rassembleur avec les amis. On a toutes des tâches à faire. Puis aussi, bien, on est comme plus proche des produits que la nature nous donne, des produits du terroir et tout. Fait que c'est vraiment unique. Aujourd'hui, on a la chance de cuisiner un magnifique morceau de filet mignon d'orignal. On va préparer un tataki en croûte de café. On va juste venir mettre là, le café là, sur notre morceau de viande. Faut y aller quand même gentiment, là, par contre, là, c'est parce qu'on veut vraiment pas venir voler la vedette là, à notre morceau de viande. À deux, c'est tellement plus facile parce qu'on est capable de séparer nos tâches. Donc moi, tu sais, je suis comme plus au niveau de la préparation, puis Thierry est vraiment le pitmaster, on pourrait dire. De pouvoir avoir la chance de cuisiner une pièce de viande comme ça, c'est comme un processus, c'est comme un rituel. T'sais, ça prend vraiment du temps quand tu cuisines sur le feu, tu prépares ton feu. C'est pas instantané. Premièrement, c'est le contact avec la nature, d'être capable de tout le temps jouer avec les éléments. Puis c'est le moment présent aussi. Pour le tataki, en fait, c'est important, là, on veut pas laisser trop longtemps. On veut le saisir là, à feu vif là, de tous les côtés pour bien colorer. Puis donc, l'intérieur va rester cru, l'extérieur va être légèrement grillé. Puis après ça, on va venir l'assaisonner avec du topinambour, des capes de marguerite marinées, puis des champignons marinés du Québec. C'est des efforts d'aller chasser, de prendre le temps d'aller chercher cette viande-là. Un orignal, pour moi, c'est grandiose, c'est impressionnant, c'est la force de la nature, tu sais, c'est spectaculaire. C'est goûteux, sauvage, on peut pas avoir une plus belle pièce. C'est très bon! Tataki d'orignal, une recette qui est relativement simple au final. Là, ça ne demande pas une cuisson ultra complexe. Puis ça nous permet vraiment d'apprécier là, la viande sauvage à son maximum. Bon appétit tout le monde. On espère que vous allez aimer.